Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, je vous amène une vidéo de motivation. Je vais tout simplement laver le moquette de la chambre de mes garçons, aussi dans ma chambre. Donc là, je commence dans la chambre de Owen et Enoch. Et aussi, je vais aller nettoyer la chambre de bébé Inata. J'utilise la machine ouverte que j'aime beaucoup. Ça nettoie et ça sèche en même temps. Donc du coup, on va vraiment nettoyer même le couloir. Junior avait déjà nettoyé sa chambre la semaine, il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Alors moi, du coup, je vais profiter de nettoyer ma chambre, la chambre de bébé Inata et Owen. Et Daddy va faire les escaliers plus tard. Donc là, on va vraiment se motiver. Comme vous le savez, vous tous, si vous avez le moquette à la maison, ça peut facilement attraper le tache, ça peut commencer à sentir un peu bizarre. Donc du coup, pour bien débuter une nouvelle saison, j'aime beaucoup nettoyer à fond pour que la maison sente bon, pour que la maison soit vraiment propre avant de décorer. On aime tous décorer, moi aussi j'aime beaucoup, mais il faut décorer dans une maison qui est propre, une maison qui sent très très bon. Là, je continue. Donc, la tache rouge que vous voyez là, c'est la pâte à modeler. Et après, je vais juste prendre, comment on appelle ça, un chiffon. Après, je vais juste aller mettre le produit de nettoyage directement sur le tapis. Je vais frotter et ça va partir. Donc, du coup, on continue. Je vais pas beaucoup parler. Je vais tout simplement vous laisser regarder et vous allez vous motiver. Voilà, là j'ai presque fini avec le couloir et après je vais juste aller entrer dans la chambre de bébé Inata. Je vais aussi bien nettoyer à fond. Là vous allez remarquer le tapis qui était dans la chambre d'Enoch Owen. Je l'ai nettoyé, je l'ai juste mis là. Comme ça va sécher et je vais remettre plus tard. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. Voilà, je vais aussi faire pareil. Je nettoie les tapis et je vais retirer. Je vais aller mettre ça sur les escaliers en le temps que ça sèche. Et je vais aussi profiter de laver le moquette dans la chambre de bébé Inata. Vous avez vu comment il y a le tache. Donc, il faut vraiment nettoyer. Et après, je vais vous montrer comment les tapis accumulent la saleté. C'est vraiment dégoûtant. C'est dégueulasse. C'est bien d'utiliser le bicarbonate du soude de temps en temps, mais à un moment donné, le moquette demande vraiment un nettoyage à fond.
Donc là, vraiment, je vais bien nettoyer et je vais vous montrer comment le chevet s'accumule dans le moquette, dans le tapis. Franchement, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Donc là, je continue de nettoyer. On va se motiver. Voilà, je finis avec la chambre de bébé Inata. Je suis dans ma chambre. Je vais juste aller remplir de l'eau parce que c'était presque fini. Moi, j'aime me nettoyer avec de l'eau chaude. Donc, je remplis de l'eau chaude. Je vais juste aller attacher. Et après aussi, je vais profiter de remplir la solution. Je vais vous le montrer. Voilà, Stain Removal. Donc, je vais vous laisser aussi le lien si vous êtes intéressé. Je vais mettre une bonne quantité. Et je vais nettoyer. Avant de nettoyer, il est très important de toujours aspirer. Comme ça, il y aura moins de saleté, moins de poussière et ça serait facile à nettoyer. Toujours, toujours. Là, je continue de nettoyer. Ma chambre est quand même assez grande. Donc, du coup, ça va me prendre à peu près 30 minutes pour bien nettoyer et puis après bien sécher. Voilà, regardez comment l'eau est juste dégueulasse. Vraiment très sale. Là, je viens de vider, je remis. Regardez-moi ça, le fil. Regardez comment c'est dégoûtant. Regardez les cheveux accumulés dans le tapis. Franchement, raison pour laquelle il faut parfois nettoyer le tapis à fond. Vraiment, c'est dégoûtant. Là, du coup, je vais juste aller nettoyer le fenêtre et aussi les portes de chambre. Moi, je vais faire juste le fenêtre à la fenêtre de ma chambre devant la caméra et le porte je vais nettoyer avec vous. Donc c'est quelque chose que je fais très souvent. Moi, je le fais surtout dès qu'on transitionne d'une saison à une autre, juste pour m'assurer que ma maison est propre, les fenêtres sont nettoyées, les portes sont aussi propres. Voilà, la solution que je suis en train d'utiliser pour nettoyer avec, c'est juste le mélange de vinaigre et de l'eau.
Donc, moitié-moitié, 50%, 50%, ça nettoie bien et ça fait briller. Voilà, la chambre est toute propre, ça sent très bon. Franchement, j'aime beaucoup. Et après, je vais tout simplement faire mon lit. Et ensuite, je vais commencer à nettoyer les portes de la maison. Voilà, là je finis de nettoyer, je suis très très satisfaite. Alors là je suis dans ma cuisine, je vais vous présenter une recette très facile mais super délicieuse. Là ce sont les pommes de terre sautées avec le légume, avec de l'ail beurre et franchement c'est très très délicieux. Là je lave, je vais couper et ensuite je vais encore nettoyer et je vais mettre au feu pour 15 minutes et voilà. My eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. Voilà, après avoir coupé, je vais mettre juste un peu d'eau et je vais mettre au feu. Je vais rajouter un peu de l'ail et un peu de végéta. Comme ça, on aura ces très très bons goûts. Voilà, on va juste les cuire semi-cuits parce que on va les sauter. Donc, raison pour laquelle on va le bouillir juste pour 10 à 15 minutes. Là, les saucisses que j'avais achetées chez Costco, c'est un peu piquant, mais c'est très très bon. Je vais juste aller rouler mes bacon sur les saucisses et ensuite vous allez voir comment on va le préparer. Open up my eyes so I can see the light.
Voilà, c'est prêt. Je vais juste aller mettre au feu pour un maximum de 6 à 7 minutes avant de rajouter les oignons qu'on a coupés et le poivron rouge et jaune. Je vous prie de rien mettre parce que le bacon là, ça va produire beaucoup d'huile. Donc du coup, vous n'avez pas besoin d'huile. Et faire très attention avec les bouillons. Moi, je n'ai pas mis des bouillons parce que le saucisse et les bacon sont déjà salés. Donc faire très attention avec cela. Là, je vais juste profiter en attendant. Je vais commencer à couper le poivron rouge et jaune et les oignons. Voilà à quoi ressemble le saucisse après 6 à 7 minutes. Vous avez vu la quantité de l'huile qui est sortie du bacon. Donc, raison pour laquelle j'avais dit de ne pas mettre de l'huile. Là, je vais rajouter les oignons, poivron rouge et jaune et un peu de poivre noir. Du poivre et blanc, voilà. Et puis je vais rajouter un peu de l'ail. C'est tout ce que je mettrai. Vraiment, c'est tout. Et après, pardon, on va laisser cuire pour un maximum de 10 minutes à un feu doux. Et ne pas oublier de presser le jus de citron. Très, très important, ça donne un très très bon goût. Alors là voilà, après avoir tout mélangé, je vais juste aller couvrir comme ça va cuire tout doucement. Et là, je vais mettre ma poêle pour faire revenir mes patates. Voilà, je vais mettre le beurre, je vais laisser le beurre fondre et ensuite je vais rajouter de l'ail. Donc, c'est préférable d'utiliser de l'ail frais parce que ça vous donnera vraiment un très bon goût. Donc, croyez-moi. Voilà, là, je rajoute l'oignon, poivron rouge et jaune. Je vais faire revenir. Et ensuite, je vais rajouter mes patates. Oh, y a le feeling, goûtez ça. Non, 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 c'est trop bon. Voilà, donc, je vais rajouter mes patates. Et après, je vais rajouter le légume de mon choix, évidemment. Si vous avez d'autres légumes que vous préférez, sentez-vous libre. Pour moi, je vais rajouter le brocoli, les choux-fleurs et aussi les carottes. Voilà. Je vais faire ça. Et après, je vais rajouter un peu du végéta et le feuille de laurier. Après, je vais couvrir. Je vais laisser cuire pour un maximum de 10 minutes à un feu doux. Un feu doux, moi, je dirais entre 3 et 4. Et voilà. Là, je vais rajouter le végéta. Franchement, une recette super facile, mais vous allez bien manger avec un très bon vin à côté. Voilà, les saucisses sont prêtes. C'est juste yummy, 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 yummy. Et aussi, mes pommes de terre aussi sont prêtes. Alors, ce que je veux faire, je vais juste aller servir mon mari rapidement. Regardez-moi ça, les filles. Ça donne envie, hein?
Non, mais franchement, c'est trop, trop bon. Alors, avec un petit vin à côté, oh là là, les goûts de ça. Très, très délicieuse. Bon appétit. Bah, merci beaucoup. Enjoy. Mamie, que Dieu te bénisse. Mamie, Thank que Dieu te bénisse. you, love. Que Dieu te fasse du bien. Enjoy. Amen. Nzambe. Toujours, toujours. Enjoy your meal, baby. Merci, maman. Voilà, là on a bien mangé. Donc du coup, je vais juste, je vais laver la vaisselle et là je vais juste arroser mes plantes. Après cela, j'avais nettoyé mes torchons de la cuisine. Je vais juste aller plier et ranger dans les tiroirs. Et après, je vais juste aller remplacer mes sacs de poubelle. Voilà la famille, la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir. Suivez-moi sur Instagram, Fashion Elegance M. C'est là où je partage mon quotidien. Alors, moi, je vous laisse par ici. Bisous. Mouah.